Homemade Video Game dit la veille. C'est le meilleur petit déjeuner que j'ai jamais mangé. Bon, du coup, si oui, je peux parler de ce que j'ai rêvé. J'ai fait un rêve bizarre avec une histoire de contrôle ou masse. J'active le saut par accident. Il demande compte que j'ai laissé l'éjecte-kit allumé. Alors, tant que j'appuie sur un bouton bizarre, ça devrait aller, mais. J'étonnais que ça marche encore d'ailleurs. Et donc oui, j'ai rêvé que donc mon prof me faisait un test sur Jotsky. Ça pouvait pas mieux démarrer. Donc oui, c'est le meilleur petit déjeuner que j'ai jamais mangé de ma vie. Et donc mince. Bon, bah, je vais laisser tomber ça. J'arrive pas à rendre ce bon truc en fait. Donc apparemment, il faut faire un boulette build jump. Boulette build jump, je sais plus comment c'est dit. Parce que je ne vois pas vraiment comment on peut faire ce saut sans utiliser ça. Et ce n'est pas évident non plus. En fait, les gars protègent très bien leur sortie secrète vers le switch vert. Même si c'est pas la sortie secrète, et waouh. Faut se rappeler, les genres de plantes là, il y a un safe spot au milieu. Et là, il n'y a pas assez de pointe à gauche. Hein. Et du coup, pas fini. Je pense qu'il va falloir mieux éviter de cartonner sur l'écran. Il faut faire tourner l'écran. Alors, Géronimo! Une sortie à gauche et une sortie à droite. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il faut le switch jaune pour avoir la sortie. Ou non, c'est juste un bonus. Il va utiliser des pièces, c'est pas remettre utile. Ou alors c'était juste qu'un bonus. Oui, c'était juste un bonus, merci. Un bonus qui coûtait même pas de champignons. C'est comme j'ai rien à perdre. Parce que, oh, toutes les pièces réapparaissent. On pourrait faire des farming ici si vous voulez. Non, je le ferai pas, ce serait con. Et non, pas de champignons dans ce niveau. Si c'était retourné dans l'autre tuyau, ça marche pas évidemment. Parce que faire un niveau bonus avec juste des pièces, ça sert pas à grand chose. Ah, voilà la fin. Et donc de mémoire, il y avait une sortie secrète et je n'ai pas vu de clé. Oh là, j'avais trouvé la dernière fois que j'ai oublié. Into the water. Non. J'ai pas d'anneau. J'ai pas nager. J'ai pissé. Maintenant, c'est vrai qu'on perdrait la clé si on. Ouais, j'ai tous les tuyaux maintenant. Waouh! Le combo a fini, c'est terminé avec moi. Alors je vois des piranhas à gauche droite, donc c'est à dire qu'il y a quelque chose là. De toute façon, j'avais déjà passé par là une fois, non? Je ne sais plus. Voilà. Il y a rien ici, c'était au cas où. Taupes sont dangereuses, je vous l'ai dit. Waouh. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était bizarre. Et pourquoi on voudrait passer par là avec du switch vert? Alors que je me rappelle de passer par là parce que c'est vraiment bizarre. Ah, c'est parce qu'il y a une vie. Ok. Toujours un endroit pour cacher la clé. Il y a un truc en bas, mais
parce que je crois que là, je suis du niveau assez linéaire, je vois une formation de pièces assez bizarre. Je sais pas de raison. Si je retourne les croix à gauche, j'ai rien. Non, il y a un gars ici. Bon, merci Charlie. Merci. Pas merci Charlie. Et donc, je vois un tuyau jaune, mais. Ouais, c'était dans un petit tuyau. Ah bah ben voilà! J'ai exploré tous ces trucs parce que je devrais certainement avoir une clé, voilà. Et donc, s'il y a deux blocs là, c'est juste pour qu'on puisse récupérer toutes les pièces. Il dit pour qu'on puisse récupérer toutes les pièces. Presque. En fait, faut commencer à courir, puis sauter sur la clé et lâcher le bouton de course pour pas prendre la clé en même temps. C'était dangereux, mais j'ai réussi. Et sortez secrète, youpi! Et donc, ça m'aide voilà, waouh! Qui nous ramène ici. Et j'ai pas ma liste de. Donc, je vais faire Bois du littoral, fait par Pikachu 13. Je me rappelle avoir vu ce nom dans les niveaux précédents, mais j'ai totalement oublié lequel. C'était pas au niveau du monde des nuages que j'avais dit qu'il était simple. Parce que pratiquement tout le niveau du monde des nuages était simple. À part ce niveau, waouh! Prendre deux fleurs. Apparemment ça. J'ai pas d'attente, ils s'amusent à changer les graphiques pour rien. Voilà. Je crois qu'elle est éternue, mais en fait non. Et. C'est vrai que j'ai oublié qu'il pouvait faire du slowdown avec visuel porté trop de pièces, mais j'ai pas envie. Les endroits me fait peur. Si quelque chose venait à mal tourner, je vais essayer de faire un coupage homme. Ah bon? Waouh, je crois qu'il clignote ce que Goomba. Il devait pas être en bonne santé. Et moi aussi, Goomba marche à l'envers. Franchement. Je pense qu'il y avait des trucs pas très nets dans le jeu vidéo. Et lui, il clignote, hein. Parce... Il aurait pas dû appuyer sur le bouton de course. Ou le maintenir. Ah, il faut vraiment tourner l'écran pour voir qu'il fait côté à droite. Hein. Et j'ai vu un Charlie, donc je vais garder ma carapace. C'était pas un Charlie, c'était un Goomba. Ça aurait pu être utile au cas où. Waouh. Disco, je ne t'aime pas. Alors voilà, donc. Hey, où est-ce qu'elle est, mec, le drapeau laveur? Elle est marrante. Waouh. Apparemment, ça c'est. Un truc pour avoir des. Ah, peut-être ça continue comme ça. C'est vraiment bizarre de mettre. Un situé écrit comme ça parce qu'il semblait qu'il y avait une autre. Il devait avoir une autre apparence normalement, mais. Il fallait faire quoi? Vous posez pas trop de questions. Ah bah fallait rentrer dans le tuyau cette fois-ci, c'était vraiment très clair. Waouh, auto-scrolling dans la maison. C'est rien à dire, tant pis. Là, ce serait très terrible d'avoir un auto-scrolling, que ce soit, parce que... À part si les pièces sont vraiment disposées en ligne droite, on serait écrasé par les murs. Donc surtout, ne mettez pas d'auto-scrolling chez vous, c'est très dangereux, donc là. Et là, ça n'est pas aussi des trucs de lave, c'est très dangereux aussi, hein.
C'est que normalement on ne meurt pas dès qu'on touche, enfin dès qu'on touche la lave, mais on meurt avant parce que la chaleur vraiment très fort. Donc, du coup, voilà pour terre et puis switch. Ah bah voilà, il a le switch. Alors je suppose qu'il faut ça. Ah bah j'allais pas tuer le Goomba, mais enfin le Koopa, mais j'aime la Z-Cruiser avec ce jeu. Et... Je vais prendre le power-up qui est là. Mince. J'avais pas compris qu'il fallait sauter. Heureusement que j'étais pas mort parce que sinon j'aurais été con. J'aurais pu rester coincé dans ce niveau pour l'éternité. Qu'est-ce que j'ai pas compris dans le switch, le bloc bleu, ça correspond au switch bleu, franchement. Ah bah heureusement, ça nous ramène là. Ah donc tu peux faire m'aider. Bon hop, juste pour savoir, ça remet le compteur à zéro pour le temps ou pas? Donc on était à récupérer un switch, il permet donc de récupérer. Débloquer ça, alors. Meatpoot, salut, comment ça va? Moi j'ai bien dormi aujourd'hui. Et apparemment faut continuer, donc j'attends que. Ah si. Bullet Bill, t'étais très bien placé. Lanceur de Bullet Bill, t'étais très bien placé aussi. Ah bah j'ai plus du tout de power-up. Ça démarre bien. C'est pas ici la sortie malheureusement et... Et voilà. I cannot fly, I cannot die, I cannot break, I cannot sleep tonight. It's true, I cannot survive. Sometimes I can't lie. They can't make me keep it in vogue. Actually, that's not even all. I can't, I look at them all. I need for some reason. Tonight, I cannot survive. Ah bah il me redonne une cape au début de cette séquence. Et une autre cape. Logique. Et... Ah bah il me redonne une cape pour ensuite pour me tuer avec... What is going on? What is going on? Vous avez compris quelque chose? Moi non. Merci. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Apparemment, il y a une histoire de switch. Ah, mais apparemment, il faut y réactiver tout de suite. C'est que sinon, la pauvre carapace du Koopa tombe. Ça me ramène là. Celle-ci prend ce tuyau-là. Ça me ramène où? Ça me ramène ici. Donc faut croiser les doigts pour pas que ça... Mince. Il est assez compliqué le timing. Bah c'est marrant d'avoir 3-4 compteurs de mort. Oh. Alors ensuite, on va faire ces deux fois. Oh. Non, sérieux. Est-ce qu'on peut recommencer en... Mais c'est pas une raison. Masse. Mauvais réflexe. Je vais mettre à l'endroit où je pourrais sauter, voilà, comme ça. Déjà, je ne sais pas mieux ce timing, mais ça va être assez chaud, là.
Et voilà, donc on essaie de faire ça comme ça. Donc avec la cape de masse, qui est un mobile 2. On va la faire correctement. En masse. Je crois que j'ai fait une connerie. Ici maintenant. Et c'est pas grave, il faut une autre manière. Je crois que je me suis coincé. Cette fois-ci, Benji ne casse pas le puzzle par accident, donc à un moment, il veut que j'attende que le coup passe totalement à droite. J'active le switch. Et je me fais tuer par la carapace. Wow, je le répète. Pour vous, du tremblement de terre, j'espère que ça vous dérange pas. Alors, j'attends qu'il se mette à droite. On va le voir d'ici. Puis j'active le truc. Donc du coup, maintenant, je suis sûr que quand il va passer par là, il va me donner un switch. Donc il fallait sortir par ici. Non, je ne vais pas sortir par ici, je vais sortir de l'autre côté. Si on passe par là, on a un suit. Ensuite, il nous bloque. Avec un générateur de boulet de bille. Il me reste ici, je vais être pas vraiment content. Donc, le suit, il ne fait pas autant. Oh là là, un marteau. Plus boulet de bille. Pourquoi j'ai sauté? Je pense que maintenant on va reprendre ce niveau. J'ai posé quelques mains déjà. Voilà, comme ça. C'est un petit peu plus rapide comme ça. Un peu trop techno pour moi, mais ça marche très bien. Allez voir, toujours. Juste bien. Tant pis, je m'en fous. Puisque maintenant j'ai plus de points de vie que lui. Donc du coup, je m'en fous de qui m'attaque. Il y a un plafond de temps en temps et on s'en rend pas compte. Hein. Et waouh! Merci pour l'étoile, ça va me permettre de casser un peu le truc encore plus. Après le tout coup qu'il en a donné un. Waouh! Fallait vous faire voir, femme marteau! Pourquoi il gagne pas de vie? Parce que j'ai pas si sûr que j'ai tué une tonne de. D'ennemis. Bon, ça fait 10 heures que je joue, mais comme je sais que j'aurai pas beaucoup d'opportunités pour jouer, donc je vais continuer.